Au programme de cette veillée, des Noëls, vous le pensez bien, des vieux Noëls que nous chanterons, le trio Chanteclair, les Amici Cantores de Charleroi, la chorale Chante-Cité de Boussubois, l'ensemble vocal et instrumental Jean-Paul Créder et bien d'autres. Mais aussi des chansons. Et oui, des chansons inspirées par Noël. Et là, nous retrouverons des chanteurs populaires, Tino Rossi, Jean Lumière, à côté de Jacques Douet, de Jacques Brel. Il y aura aussi des lectures. Je ne vais pas déflorer l'intérêt de la soirée en vous citant tous les poètes que j'ai choisis. Il y aura parmi les chanteurs Jean Giraudoux de l'opéra, Georges Till. Il y aura aussi ces monologues que l'on attend à chaque veillée de Noël, que les familles rassemblées attendent. L'histoire de la Charlotte qui prie Notre-Dame, ce très beau texte très émouvant de Jean Rictus que nous dira Marie Dubas. Il y aura les trois messes basses d'Alphonse Daudet que lira Fernandel. Il y aura aussi ce délicieux monologue en patois du centre sur le petit Jésus et qu'a enregistré Julos Bocarne. Il y aura aussi, bien sûr, quelques pages de grande musique. Il y aura le Collegium Musicum de Paris qui nous jouera l'adagio d'Albinoni. Il y aura aussi les Amici Cantores que j'ai cités qui nous chanteront le Gloria in Excelsis Deo de Charles Billaud. Il y aura l'ensemble instrumental Ludwig de Charleroi qui nous donnera un Noël suisse pour orgue et trois trompettes. Il y aura les admirables voix des élèves du conservatoire de Bucarest qui nous chanteront des Noëls roumains. Il y aura aussi des Noëls américains, des Noëls provençaux, etc., etc.
Je vous ai parlé tout à l'heure de poèmes inspirés par Noël. Je tiens à vous dire qu'ils auront le meilleur des serviteurs ce soir. Il s'agit de Charles Kleinberg. Charles Kleinberg vous récitera un Noël de Max Elskamp, une nativité de Madeleine Gevers. Vous n'avez pas besoin de moi, d'Yvonne Hermangilson, etc., etc. Et il vous lira aussi le très beau texte de Jean Rictus. J'évoquais il y a un instant Marie Dubas qui nous donnera la Charlotte. Eh bien, Charles Kleinberg, lui, nous lira Le Revenant, qui est également un texte, disons, de circonstance. La nuit de Noël, beaucoup disent que c'est la plus belle nuit, et ce n'est pas Charles Trenet qui nous contredira. Voilà. C'est la nuit de Noël, la nuit d'un pauvre enfant, de Jésus, fils de Dieu, descendu sur la terre, pour que les cœurs anxieux ne soient plus solitaires, pour que la paix du monde arrive qu'ici-bas, l'espoir, la charité viennent guider nos pas aux joies de Bethléem. Merci pour ta lumière qui change en un seul jour la face de la terre. Le royaume des cieux à ceux qui te suivront, et qu'enfin tu pardonnes en mourant sur la croix tous les péchés des hommes. Après ce Noël de la chanson, ce Noël de Charles Trenet, voici un de ces Noëls qui représente une part importante de la poésie populaire. Il est né, le Divin Enfant, par Jean Giraudeau de l'Opéra de Paris et les chanteurs de la Cantilène. Il est né, le Divin Enfant,
suite chorale qui nous vient d'Argentine, qui est signée Ariel Ramirez et Félix Luna, et qui a été enregistrée par Los Fronterizos et par la Cantoria de la Basilica del Socorro. Voici El Nacimiento. C'est une berceuse. Elle berce l'enfant nouveau-né. Il vient de naître un joli petit poupon dans une étable champêtre entre le bœuf et l'ânon. Vive le poupon de Marie, vive le poupon ton nom. Le cœur de la terre est l'onde dans le rage de sa mère. Il est venu dans le monde pour sauver le genre humain. Vive le poupon de Marie, vive le poupon ton nom. De tout mon cœur je l'adore. Il est plus beau que l'aurore, plus brillant que le soleil. Vive le bouffon de Marie, vive le bouffon ton nom. Les bateliers de la Loire portèrent à Jésus leur vœu. Après ils s'en furent boire et chanter d'un cœur joyeux. Vive le bouffon de Marie, vive le bouffon ton nom. Émergé d'humeur gaillarde dans les chemins qui sautaient, dansant la pantalonnade, joyeusement il disait, ah, vive le poupon de Marie, vive le poupon ton nom. Sur les rives de la Loire, berger gardant vos agneaux, chantez sans cesse sa gloire, faites-nous redire aux échos, vive le poupon. De nous s'apprête pour adorer cet enfant.
qui célébrait cette fête en chantant joyeusement. Vive le bougon de Bougon de Marie, vive le bougon d'Andran. Vive le bougon de Bougon de Marie, vive le bougon d'Andran. Chers amis du trio Chantecler, ce Poupon de Marie que vous venez de chanter, Julos Bocarme le connaît fort bien. Seigneur, quelle affaire! Un bien petit effet, ça va être là. Mon petit Jésus, te rappelles-tu? Mais il a tout cherché sa tête. Non, bien, ça dépend des églises. Hein. Tu vas le voir dans une église. Il n'y a pas le même que dans l'autre, et tu? Il faut croire que le petit Jésus. Mais il y en a autant qu'il y a d'églises. Mais quand tu regardes l'histoire, là, le monde, il n'a pas de suite dans les idées. Imagine un peu quand il est venu au monde, on aurait cru qu'on aurait dû refuser du monde, qui serait né à bureau fermé, cet enfant-là, que ce serait comme un festival, rendez-vous compte. Ça faisait des milliers d'années qu'on l'attendait, tout le monde s'écrivait, attention les gars, il s'en vient, ce sera pas long, il arrive. Il était attendu comme le Messie, cet enfant-là. C'est vrai, 100 ans avant qu'il n'arrive, on criait partout, Hosanna, Hosanna! Il arrive, pas un chat. Juste un ange, deux petits moutons, deux petits bédos et un berger. Et pourtant, un bien petit enfant comme celui-là, sais-tu? On n'en avait jamais vu. Imaginez un peu. De belles petites crolles, de belles petites menottes, poussées, laridées, grandes dames, gens des os, petits couteaux, ça ne s'était jamais vu. Notez bien, ce qui était le plus terrible pour moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que Stéphane-là a eu l'idée de venir au monde en pleine nuit de Noël. Et même, il est tombé sur le premier Noël de toutes. N'a pas eu un cadeau, pas eu un cadeau. Il a braillé, il a braillé. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de cadeau, vous êtes eux. Mais je voulais bien t'y voir, moi, naître dans une étape en plein mois de décembre. Les cadeaux, pour en avoir, il a été obligé d'attendre après les rois. Les rois mages, tu sais bien, les grands efflanqués de l'Écriture sainte, ils étaient partis 6 mois à l'avance sur 2 gros chameaux. Où c'est que vous allez? On s'en va porter les cadeaux à l'enfant Dieu. Allez-vous le trouver seulement? Il n'y a qu'à suivre l'étoile. Mais il y en avait un maudit paquet d'étoiles. Contec, tout bazar, ils sont trompés plusieurs fois de chemin. Ils sont arrivés 10 jours en retard, mais cet enfant-là aurait pu mourir d'une pneumonie en les attendant. Heureusement, ça c'était pas écrit dans l'Évangile. Toute la Sainte Famille était obligée de rester dans l'étape. Ils pouvaient pas s'en aller. Les rois mages, c'est saisi-là, avaient écrit qu'ils venaient. En plus, ils arrivent avec leur cadeau. Mais devine un peu quel cadeau. De la myrrhe et de l'encens pour un bébé naissant. Un bistelcier. Ça, c'était un bien cadeau. Faut dire qu'ils n'avaient pas fait les magasins longtemps pour trouver ça. Ils auraient pu acheter des chaussons, comme tout le monde. De l'encens. Maria Dei. Remarquez que d'un côté, avec les 2 animaux qui étaient dans l'étape, un peu d'encens, eh ben, ça n'a pas fait de tour, hein. Mais moi, quand même, à la place de Saint-Joseph, je leur aurais parlé. Mais pauvre Saint-Joseph, il n'avait pas la tête à ça, sais-tu. Il n'en revenait pas encore, il se demandait bien comment ça avait bien pu arriver, enfin. Il disait pourtant, mais je n'y suis pour rien. Et puis surtout, ce qui ne me plaisait pas, c'était le bœuf, qui le regardait tout le temps en riant. Mais dans le fond, c'est pas Saint-Joseph que je plains le plus, sais-tu, là-dedans. C'est la Vierge Marie, c'est pour elle que ça a été le plus pire. C'est elle qui a eu le plus difficile à passer outre de tout ça. Parce que, imagine-toi un peu, une toute jeune fille, 19 ans, 18 ans, peut-être même 16 ans, on ne sait pas. Une toute jeune fille, pas d'expérience. Dans le temps, les filles sortaient pas, il n'y avait pas des émissions de télévision pour t'expliquer comment ça se passait. Hein. Quand le grand Gabriel est venu, celui-là, il fait spé ou ce qui se perdrait, sais-tu. Quand le grand Gabriel est venu, il a dit, veux-tu, veux-tu? Elle a répondu, oui, oui, Dieu vous bénisse. Elle ne savait pas qu'après, il ne viendrait plus jamais, hein. Mon Dieu, c'est quand même malheureux, hein. Même dans les anges, on ne peut pas avoir confiance. Trois anges sont venus ce soir t'apporter de
Armand Mestral a gardé toute sa confiance dans les anges, il les chante, il les invoque. Jean Cocteau nous parle de Gabriel au village dans un de ses poèmes. Mademoiselle Marie, vous êtes grosse, dit l'ange. Vous aurez un fils sans mari. Pardonnez si je vous dérange. Cette façon d'annoncer les choses par la fenêtre étonne un peu la fiancée qui son amour voudrait connaître. L'ange s'en va comme fonte des neiges vers l'inhumain. La petite a un peu honte et se cache dans ses mains. Se soucie grandement. Duc
Oui, Joseph se soucie grandement du cas qu'il est arrivé, comme dit la chanson du trio Chantecler, et Georges Moustaki a témoigné de sa compréhension, de sa pitié pour Joseph dans la chanson que voici. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. La chanson Noël Blanc d'Irving Berlin est une chanson de film. Holiday Inn, en français l'amour chante et danse. Ce film évoquait les fêtes célébrées en Amérique et chacune de ces fêtes y est caractérisée par une chanson appropriée. Et de tous les chants du film, c'est le Noël Blanc qui de beaucoup est devenu le plus populaire. En 1942, Bing Crosby le lança à la radio américaine White Christmas, qui est devenu l'un de ses plus grands succès. Eddie Constantine, Les Paul and Mary Ford, Frank Sinatra, André Claveau, Jacques Lantier, que nous allons entendre dans quelques instants, l'ont enregistré.
songea d'autres Noëls blancs. Qui n'aimerait cette admirable fête de Noël, cette fête de Noël si douce au cœur et qui rend l'esprit si joyeux? C'est d'abord une antique fête païenne, toujours vivace dans nos mœurs. C'est ensuite une grande fête chrétienne. C'est enfin une fête universellement humaine.
Jean Giraudeau et les chanteurs de la Cantilène nous ont donné « Nous voici dans la ville ». Nulle fête liturgique, on le dit, n'est plus populaire que Noël. Seule elle connaît la singulière fortune de réconcilier dans une commune allégresse, pour parler comme Daniel Rops, ceux pour qui elle commémore la naissance de Dieu et ceux pour qui elle ne signifie rien. Le plus incroyant la célèbre encore par le champagne et le boudin blanc. C'est un fait d'histoire que cette vénération universelle, les fêtards des réveillons, en témoignent à leur façon. Mais il n'y a pas du champagne, il n'y a pas du boudin blanc pour tout le monde. Et la Charlotte qui prie Notre-Dame se privera cette nuit de Noël de champagne et de boudin blanc. Voici Marie Dubas. Ça vous demanderait seulement pas pardon. Ben ouais, Fauchemann et purée. Ce soir, pardi, c'est le réveillon. On voit passer que des rigoleurs. Je gueulerai au feu ou au voleur, personne n'y fera attention. Oh, tes yeux, t'es de la sainte poivron. Ah, tout chahute, tout flambe, tout reluit. Les restaurants, les bistrots, ils ont la permission de la nuit. Tout chacun pense qu'à croustiller. Il y a plein de monde dans les rôtisseries, les épicemars, les charcuteries. Que ça sent bon le boudin grillé. Présent Jésus est né. Dans les temps quand il s'est amené, il gelait comme il gèle cette nuit. Sur la paille de votre écurie, vous n'avez rien dû avoir friot, Jésus et vous, Vierge Marie. Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue.